L'affaire continue de poursuivre Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire immobilière des mutuelles de Bretagne. Une décision prise dans la nuit de mercredi à jeudi par le parquet de Lille, où le dossier a été dépaysé. Plus tôt dans la journée, il avait été interrogé en première comparution pendant plus de 15 heures. C'est en juin 2017 que l'affaire éclate. Alors ministre de la Cohésion des Territoires, il quitte le gouvernement suite aux révélations du Canard enchaîné. Le journal affirme qu'en 2011, alors qu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne, l'organisme avait décidé de louer des locaux commerciaux appartenant à sa femme. Cette mise en examen, un coup dur pour Richard Ferrand, mais il n'a pas pour autant l'intention de quitter l'hôtel de la Cé. Par communiqué, il annonce qu'il est déterminé à poursuivre sa mission à la tête de l'Assemblée. Le président Emmanuel Macron affirme qu'il conserve toute sa confiance en Richard Ferrand, l'un de ses fidèles de la première heure.